Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on réfléchit, on parle, on analyse, hein, on discute sur l'actualité. Et avec moi cette semaine, l'extraordinaire Joannie Riendo. Bonjour Joannie. Bonjour Pierre, t'as passé un beau week-end? Oui, je passe toujours des beaux week-ends. Moi, je fais rien le week-end. Puis ça, là, c'est génial. Je fais tellement d'affaires dans la vie que le week-end, c'est sacré. On fait rien. Si tu me permets de commencer l'émission aujourd'hui, je veux féliciter l'équipe de Toxic Action qui ont fait une activité de financement en fin de semaine qui était l'activité Tatou point virgule. Je ne connais pas le dénombrement final du nombre de tatous qui ont permis d'amasser des fonds pour les travailleurs de rue de Dolbeau-Mistassini. Mais félicitations, ils ont commencé avec une tatoueuse, puis là, ils sont rendus à trois. Et c'est vraiment allé. Je suis sûre que ça s'est rempli. C'est une très belle. Et est-ce que tu as ton tatou? Je ne vous le montrerai pas parce que c'est, disons, je l'ai mis dans un endroit qui est assez intime. c'est correct. On ne veut pas le voir. félicitations, Toxic Action, hein, un organisme important dans notre secteur. Parle-nous maintenant de Parents Ensemble qui sont passés au numérique. Oui, l'organisme Parents Ensemble, c'est la maison de la famille de la MRC Maria Chapdelaine. On les connaît pour Café pour des générations. Tout ce qu'ils font de bien et ils font juste des choses bien. Donc, c'est génial. Bien, il y a plusieurs choses présentement. Je vais me permettre de. J'ai parlé avec Mme Isabelle Lamontagne, la directrice dernièrement. Et il y a deux nouveautés qu'on demande à la population de participer. La première, c'est Bibli Magimo. On demande aux gens de la MRC Maria Chapdelaine, vous avez des vieux livres, apportez-les à la maison de la famille pour qu'ils soient redistribués auprès des familles pour améliorer la lecture, pour favoriser la lecture dans les familles. Mm-hmm. La première chose. Je veux revenir. Moi, je trouve ça tellement important que les enfants puissent toucher, prendre des livres. Moi, chez nous, il y a beaucoup d'une bibliothèque chez nous, il faut dire. Là, mais les enfants touchent aux livres, ont des livres. Là. Moi, mon garçon, il y a 3 ans, là, il peut passer une demi-heure avec un livre assis à faire semblant de lire. Mais il n'y a pas d'image à rien. Mais c'est juste l'habitude de regarder des mots, d'essayer de comprendre. Le plaisir de l'objet. Ah, écoute, ma fille de 5 ans fait des mots mystères. C'est très ardu puis c'est très drôle à la fois. Mais en tout cas, ça amène une curiosité pour les mots, pour la langue. Oui. Je trouve ça vraiment très, très, très... Puis, il faut se le dire, maison de la famille, on ne parle pas seulement du 0-5 ans. Le parent peut aller chercher aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser seulement les livres pour enfants. Okay. L'ensemble des livres que vous avez, c'est une méthode pour valoriser la lecture en famille. Aussi, le sujet initial, passe au numérique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parents Ensemble, au cours des dernières années, un comité de bénévoles créait le journal Parents Ensemble qui sortait une fois par saison. La date sortait aléatoirement. Et l'équipe de bénévoles, on passe au numérique, plus d'économie de papier, mais aussi plus, on veut réagir plus rapidement à l'actualité, on veut réagir aussi à différents thèmes. Donc moi, j'écris dans le blog et je vous invite à aller voir sur la page Facebook de la Maison Parents Ensemble. On va tout de suite vous rediriger vers le blog. Nous sommes présentement 7 auteurs et 7 auteurs-autrices. Et si vous voulez vous inscrire, parler de votre expérience en tant que parent, membre de la famille, gardienne, si vous avez une vision de la famille et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez vous exprimer, bien, communiquez avec Parents Ensemble. Puis on peut parler de n'importe quoi tant que ça a un lien avec la famille, c'est ça? Bien, par exemple, je suis à la rédaction de la description de mon Noël, étant donné que moi, je ne viens pas de la région. Mm-hmm. Bien, comment ça se passe? Faire le tour de la famille quand la famille est éparpillée partout au Québec et tu as 2 gros chiens, un husky et un labrador, un enfant de 6 mois, et que tu dois partir pendant une semaine. C'est toute qu'une aventure quand tu sais que faire garder un gros chien dans la région, c'est 40 $ par jour, par chien, et on est parti 10 jours. Donc, on a créé une niche à la dernière minute. Donc, on a autant des anecdotes personnelles que des articles plus scientifiques. On fait des relations aussi avec des choses qui sont déjà présentes sur la toile, des services que Parents Ensemble offrent ou les grandes nouveautés. On peut aussi, dans les projets, on veut vulgariser les nouvelles lois entourant la famille. Donc, on veut donner un espace de partage d'opinions, oui, de partage d'informations, mais aussi un endroit dynamique pour que les gens puissent interagir avec nos articles. C'est génial, ça! Oui! Et puis, on y va par la page Facebook ou il y a une adresse pour le blog directement? Pour l'instant, ça va être par la page Facebook parce qu'on a très peu d'articles pour l'instant, mais vous allez voir, ça va devenir une habitude. J'aime ça! Je vais immédiatement après l'émission aller m'abonner à ce blog.
On sait, on est une MRC très forestière et Dobro-Mississauga et la MRC ont adopté une déclaration sur la forêt. Là, je trouve ça important, je suis d'accord avec ça, mais j'ai l'impression qu'on fait ça tous les années. Au bout du compte, j'ai l'impression que c'est un exercice qui se répète. Mais je ne sais pas, c'est peut-être ma perception qui est fausse. C'est qu'au niveau de la déclaration, les pouvoirs politiques au niveau de la gestion de la forêt sont très partagés, sont durs à prendre en considération. La MRC peut avoir autant d'intentions s'il y a des blocages au niveau du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, comme par exemple avec la gestion des caribous forestiers. Ouais. Bien, ils ont bien beau faire une déclaration d'intention, ils peuvent se retrouver à des murs. Donc là, c'est là l'importance que la population, qu'on en parle aujourd'hui, qu'on fasse des actions afin de démontrer à nos députés. Mais je considère qu'on le fait souvent, ça, régulièrement, mais c'est l'impact que ça a que je questionne. C'est non pas le geste, parce que c'est extrêmement important pour une communauté comme ici, une MRC forestière, de prendre position, d'informer, de rassembler, de revendiquer. Mais c'est l'effet que ça donne. J'ai l'impression qu'on fait toujours la même chose. Est-ce qu'on ne devrait pas poser d'autres types de gestes? Ou, Pierre, il faut que tu saches qu'une déclaration de ce type, ce n'est pas un geste anodin. Ouais. Ce n'est pas un geste symbolique. Ça a une portée, mais au niveau des fonctionnaires qui ne vivent pas dans notre région. Okay. Donc, nous, on vit, on a les actions concrètes, mais la déclaration permet à des fonctionnaires dans d'autres paliers de gouvernement, et il doit être renouvelé régulièrement, pour ajouter, enlever ou encore apporter de nouveaux arguments régulièrement, mais permettre d'appuyer notre demande, permettre d'appuyer nos valeurs, puis que tous les acteurs qui entourent la forêt. Je parle des paliers gouvernementaux, mais on peut parler aussi des entreprises forestières, les entreprises forestières, les entreprises touristiques, la protection de la faune, les chasseurs et les pêcheurs aussi. Donc, tout ce qui entrait, tout ce qui est... La forêt est un milieu de vie. Oui, mais le problème que j'ai, là, honnêtement, c'est que je trouve ça interminable. Je veux dire, c'est hyper important des communautés comme ici, puis ça fait... Écoute, je ne sais plus combien d'années qu'on en parle, qu'on essaye de régler le cas du caribou forestier, des zones de coupe, etc. Et c'est tellement complexe, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faudrait que ça devienne une priorité, pas juste pour nous, mais pour l'ensemble, entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. Là, j'ai l'impression que c'est tout le temps un peu... Bien, je te dirais que c'est peut-être aussi parce que c'est une priorité pour tout le monde. Ouais. C'est plutôt l'inverse. Que moi, j'en perçois. Parce qu'il y a une priorité au niveau environnemental de sauvegarder le caribou forestier. Oui. Puisque je comprends très bien, c'est une espèce à protéger. Donc, il y a une grande importance au niveau des écologistes, des biologistes. Il y a une grande importance au niveau des entreprises forestières de garder la forêt. Donc là, ils se battent. Mais entre-temps, il ne se passe rien. Oui, mais à un moment donné, ce n'est pas le travail du gouvernement d'être le médiateur, en fait, entre tous ces groupes-là, puis trouver des solutions. Moi, je vais te donner l'exemple. Quand il y a eu la crise dans l'industrie automobile, là, ça n'a pas pris deux mois qu'on avait débloqué des milliards, on avait trouvé des solutions, on avait des plans d'action. Au bout du compte, 10 ans plus tard, bien, les grandes firmes automobiles ferment pareil puis liquident des emplois. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont plus frileux à faire ces deux actions. Bien non, parce qu'à l'époque, il y avait une crise dans la forêt, puis on n'a rien fait. Je veux dire, la forêt date exactement du même moment où il y a eu la crise dans l'automobile. Puis là, écoute, on a des grenouilles d'argent par-ci, par-là, mais des actions communes, un plan, une vision. J'ai hâte, là. J'ai hâte pour les gens. Moi, je ne travaille pas dans la forêt, là, mais je vis dans une région forestière. J'ai hâte pour les entrepreneurs, pour les travailleurs, pour les communautés qu'il se passe quelque chose. C'est vrai que lorsqu'on est toujours dans les plans d'action, dans la rédaction, dans l'administratif, c'est pas stimulant. Mais je peux vous dire que les gens qui travaillent là-dedans, eux autres aussi, ils ont hâte que ça passe à l'action. Ils ont hâte de changer de dossier, ils ont hâte. Mais moi, je serais vraiment curieuse de rencontrer quelqu'un qui travaille dans le domaine forestier, dans le domaine politique forestier, savoir où sont les nœuds. On entend des arguments de chaque côté, mais on n'a pas une vision d'ensemble de notre forêt. Parce que c'est... Tu sais, on les voit partout quand on traverse la MRC Domaine du Roi puis la MRC Maria-Chapdelaine. Régulièrement dans les villes, on voit les grands sapins verts en plastique. Nous sauvegardons notre forêt. T'sais. Ça donne quoi en action? Mais ça, c'est de passer de la philosophie de l'imputabilité puis d'arrêter de dire « on n'est pas d'accord, faites quelque chose » à
prenons des actions concrètes. Puis ça même se passe niveau, dans ma cour, j'agis dans ma cour. Bien, c'est ça, le principe de subsidiarité. Là, on devrait décentraliser des pouvoirs, puis on devrait régler ça ici à notre manière, puis on ne devrait pas essayer d'arrêter d'attendre un plan mur à mur sur l'ensemble du Canada parce que les réalités sont complètement différentes. Et un plan que tout le monde va être d'accord, ça n'existe pas. Mais non, mais c'est parce qu'on oublie la subsidiarité, on oublie de faire confiance aux gens sur le terrain qui sont proches du problème et qui ont des solutions. C'est eux qu'il faudrait rassembler pour discuter, pour trouver des solutions communes pour, oui, continuer à développer notre industrie forestière, protéger le caribou forestier. Moi, je pense que ça se fait. Les deux peuvent se faire ensemble. Je pense sérieusement que les gens au niveau local ont déjà les solutions. Ben, moi, je suis certain. Ils ont déjà les solutions, ils ont déjà la perception. Mais c'est là que je dis qu'il y a un blocage. Je rencontre des gens à toutes les semaines qui ont des solutions, qui ont des apports, qui ont des idées, qui veulent avoir des actions. Mais lorsque tu es bloqué, que ce soit par les décisions, par la législation ou par les questions de financement, que ce soit dans le domaine forestier, dans le domaine communautaire, dans le domaine économique, dès qu'il y a des blocages au niveau législatif, il y a des blocages. Mais il faut se dire que la législation n'est pas là pour rien. C'est pour éviter les abus. Oui, mais donc, au niveau de la forêt, c'est un élément naturel. Pourquoi ça l'a changé alors que c'est quand même la ressource première de notre implantation au Canada? Pourquoi ça l'a changé? Pourquoi? Peut-être, j'aimerais en savoir plus sur ce projet-là, sur ce sujet-là. J'aimerais parce que c'est pas juste la MRC Maria-Chapdelaine qui est touchée par ça. On a un grave problème au niveau du développement économique, au niveau de notre forêt, parce qu'elle peut être utilisée de plein de façons, mais qui est bloquée par ça. Bien, décentralisons, amenons le ministère des Forêts ici, là, à Dolbeau-Missassigny, hein? Et puis là, on va en trouver des problèmes. Puis moi, je pense qu'il faut arrêter d'espérer du mur à mur, parce que les réalités sont tellement différentes. Mais encore là, c'est des fonctionnaires de Montréal qui vont nous imposer des mesures qui vont s'appliquer partout, mais qui seront mal adaptées parce qu'on ne sera pas venu ici voir ce qui se passe puis comprendre notre réalité. Parce que ça coûterait moins cher d'avoir une solution égale à tout le monde. À un moment donné, il faut mais plus là, que ça soit je suis amplement d'accord avec toi. Sur ce point, je suis amplement d'accord avec toi parce que si tu prends une solution mur à mur qui ne coûte pas cher, ça ne rapporte rien. Au lieu de faire des gestes ambitieux avec des gens qui connaissent leurs ressources. C'est de faire confiance aux gens sur place aussi. Ils ont mais des c'est solutions, ça que je ils dis. Ont des idées. Ben oui, c'est ça que je dis, c'est faire confiance à la ressource humaine qu'on a dans les régions pour gérer une ressource naturelle. Fait qu'on est d'accord, là. On est d'accord! on va terminer ça là-dessus. On a plein de choses à parler aujourd'hui. Ben oui. Restons à Dolbeau-Missassigny. Dolbeau-Missassigny adopte un plan d'action économique. Donc, au-delà de la déclaration de la forêt, un plan d'action économique. Ce que je disais, c'est que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait, un réel plan d'action économique. Pourtant, je pense qu'au niveau des politiciens, dans ce moment, de l'économie est comme numéro un. De tous les enjeux. Moi, je dirais des fois, c'est correct, mais des fois, malheureusement, on oublie beaucoup de choses parce qu'on place ça. Puis aujourd'hui, en ce moment, l'économie roule à plein. C'est plus le temps l'économie, elle va bien en ce moment. Là. Ça oui serait pas le temps non. Oui et non. Faut se dire que l'économie, il y en a partout. Ouais. Okay? L'économie, il ne faut pas le voir comme absolument une ressource à aller chercher du capital, à aller chercher à être le plus riche possible. L'économie, c'est la gestion des ressources, l'employabilité. Donc, on a une pénurie de main-d'œuvre. L'allocation de bâtiments, ça touche beaucoup de choses. Le plan d'économie, c'est suite à l'arrivée de Mme Isabelle Simard, un nouveau poste qui est la directrice du développement économique de Dolbeau-Missassigny. Ça permet aussi de prendre des décisions politiques beaucoup plus claires. Même si ça se prenait de manière naturelle avant, là, ça va faire plus clair avec un plan puis des objectifs à atteindre, puis une valorisation. Au lieu de faire des décisions goutte à goutte, bon, il faut se dire que ça va aller plus rapidement. Toute personne qui va avoir des projets de développement économique va pouvoir rencontrer Mme Simard, voir le plan du développement, puis dire, moi, je rentre dans tel, je le présente au conseil municipal en disant, moi, ça rentre de telle façon. Et là, il va avoir un appui. Au lieu d'avoir des projets qui vont être un peu partout, bien, on va déjà plus savoir à quoi s'attendre, de quelle façon on veut que le développement économique se fasse. Est-ce qu'on veut que ça soit permanent? Est-ce qu'on veut ou on veut quelque chose? Mme Simard, je la connais personnellement. Je sais qu'elle est très compétente dans son domaine. Donc, je me doute très fort que c'est un plan de développement qui va permettre aux individus de mieux connaître les attentes de la communauté, pas seulement du politique, de la communauté. Comme par exemple, dans le plan d'action, c'est revitaliser Wahlberg avant la promenade Wahlberg. Tous les bâtiments n'ont pas un aspect attrayant.
Bien là, ça va aider les entreprises qui sont là, parce que quand on a une lorsqu'on privilégie une action plus qu'une autre dans un plan d'action au niveau municipal, bien, il y a des fonds qui se débloquent dans les ministères québécois et canadiens. Le plan d'action permet de faire ça. Il faut se dire que c'est un outil pour les agents de développement pour dire, bien, on a consulté notre population. Le conseil municipal, il a adopté. C'est comme s'il avait adopté toutes ces décisions-là d'un coup. Donc, ils peuvent tout de suite les utiliser pour aller chercher les fonds pour aider le développement. Donc, il faut se dire que c'est un levier pour partir. Si le levier était vieux, bien, plus il est vieux, moins il y a de puissance politique, moins il peut être outillé ou moins il est adapté à la réalité. Oui, c'est clair qu'il faut l'adapter. Est-ce que tu l'as lu, le plan d'action? Est-ce non, qu'il pas y a encore. Des mesures en lien avec l'environnement? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, l'économie doit se développer en lien avec l'environnement toujours. Tu sais, dans le sens où on est rendu là, là, j'ai hâte de voir des plans d'action environnementaux. Je vais te dire bien honnêtement, j'ai lu le résumé et je n'ai pas encore lu tous les détails. OK. Donc, je veux pas rentrer dans les détails. Moi, je fais l'avocat du diable. Je suis pour un plan d'action économique, mais j'espère qu'on a pensé à ça, là, que ce n'est pas un plan d'économique pour aujourd'hui, mais un plan de développement économique en pensant à l'avenir, la réalité du développement durable, avoir une économie circulaire. Bien, c'est ça, un plan de développement. Ouais. OK? C'est un plan de développement. Oui, mais tu peux avoir un plan de développement sans avoir des axes vers le développement durable ou vers une économie qui va circuler. Ça, il faut aussi faire confiance aux entrepreneurs. Faire confiance ou encore valoriser. Donc ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si c'est inclus dans le plan de développement, pour être bien honnête. Non, mais je pose des questions. Mais je pense aussi que l'ensemble de la population de l'Aulnay-sur-Oise et de la MRC Maria-Chapdelaine, parce qu'on ne se le cachera pas, Dolbeau-Mistassini a un impact sur toutes les municipalités qui sont autour aussi dans ses choix. Bien, j'espère que l'ensemble des citoyens de la MRC Maria-Chapdelaine va pouvoir faire entendre leurs besoins au niveau de l'environnement, au niveau... Parce que acheter, c'est voter. Ah, clairement. Ça, c'est par là qu'on va changer les choses parce qu'on légitime les actions quand on va... Acheter, c'est voter. Ouais. Valoriser l'achat local, valoriser... Moi, j'ai bien aimé un slogan qui, quand je suis arrivée dans la région, sortait, c'est « Pour le même prix, j'achète ici. » Moi, pour plus cher, j'achète ici. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens. Mais non, mais souvent, ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Ben, puis quand aussi, quand tu calcules le gaz, des fois, souvent, c'est le même prix. Oui, puis il n'y a pas rien que ça. Là. Moi, je prends l'exemple de ma municipalité. Moi, je suis à Saint-Gédéon. Mm-hmm. Et je veux dire, moi, j'encourage l'épicerie locale à toutes les semaines. Ça me coûterait peut-être moins cher aller faire mon épicerie ailleurs dans un grand supermarché, mais moi, je veux la garder, mon épicerie, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, on est tributaire des commerces qu'on a. C'est-à-dire, si on les encourage, ils vont rester là. Si à un moment donné, on est content de les avoir, mais on ne les encourage pas, ben faut pas pleurer quand ils ferment. Là. Non. Ben, c'est quand on dit acheter, c'est voter. Acheter, c'est voter. Acheter, c'est voter. Non, mais c'est vrai. Puis en plus, parce que ça légitimise les actions. Quand tout le monde se met à poser la même action, là, les gouvernements sont beaucoup plus légitimes de prendre des actions en ce sens-là. Puis, on ne parle pas seulement au niveau des gouvernements, mais l'entrepreneur qui est propriétaire de l'épicerie, est-ce qu'il va racheter, par exemple, ça m'apporte vers une autre chose, la nouvelle campagne des fromages d'ici. Oui. Assure-toi que ça vient d'ici, je ne me souviens plus c'est quoi le terme, mais encore une fois, si l'entrepreneur voit que ce qui se vend le plus, c'est le fromage québécois, est-ce qu'il va plus commander de français? Non, il va commander plus de québécois parce que c'est ce qui se vend le plus. Puis en même temps, quand on est dans une épicerie, tes clients sont un peu prisonniers de là. Fait que si tu décides de mettre un étalage de fromage québécois, tu vas en vendre plus que si tu mets un étalage 50-50 fromage québécois et européen. Tu as des responsabilités aussi sociales il comme faut, entrepreneur. Dans les petites villes, oui, c'est facile parce que tu es le seul. Tu n'es pas prêt en otage, oui et non. Mais si tu vas dans des plus grosses communautés ou que tu as peut-être deux épiceries, si tu ne fais pas 50-50 au moins au début, ben, il y a des gens aussi qui c'est plus le prix, c'est plus... Il faut donner toutes les opportunités. Mais c'était supposé que les prix des fromages européens, c'était du dumping, ça allait être vraiment moins cher. Mais là, on s'aperçoit que... Bien, c'est parce qu'on s'aperçoit que clairement, le fromage nous a coûté moins cher, mais on s'aperçoit que les distributeurs ont juste augmenté leur marge de profit parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne affaire. Donc, continuer d'acheter du fromage québécois, même du fromage de la région. Ben, il y a 10 fromageries dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'excellentes fromageries. Oui. Qui sont reconnus à travers le Québec. Donc, il faut en profiter. Fromagerie artisanale, puis fromagerie standard. On pense à Perron, on pense à Saint-Laurent. Puis là, on parle des épiceries. Mais au lieu d'aller vous chercher un café dans des grandes bannières,
Bien, il y a plein de petits cafés qui offrent des cafés dans la région à des prix très raisonnables, d'une excellente qualité. Moi, je l'adore, j'adore ça. Et puis, des fois, on est capable d'amener vos tasses aussi, Oui. hein? Non, mais... Moi, je fais un appel à un entrepreneur de la région s'il veut partir un nouveau projet. J'attends juste mon épicerie en vrac à Dolbeau-Mistassini. J'attends juste une épicerie en vrac. Bon, Je mais suis on certaine va te que je suis pas mettre toute seule. responsable de ce dossier-là. Non, je fais amplement confiance à nos téléspectateurs que ça va se rendre à quelqu'un qui est prêt à prendre ce défi-là. Et je fais amplement confiance aussi aux membres de la Chambre de commerce, qui sont quand même, font partie de notre communauté puis de notre culture entrepreneuriale. Mais je fais aussi confiance à Mme Simard, du développement économique. Puis je fais aussi confiance à l'ensemble de la population, pas seulement nos téléspectateurs, l'ensemble de la population. Lorsque vous avez un besoin, parlez-en, parce que ça va nourrir les entrepreneurs qui veulent partir leur projet. Souvent, c'est ça qui manque, la peur de ne pas avoir de clients. Oui, il y a ça. Et aussi, quand on a quelque chose, bien, utilisez-le parce que c'est comme ça qu'on garde nos services, qu'on garde nos entreprises. Et moi, j'ai entendu, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais j'ai déjà entendu souvent des gens dire oh, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais quand une entreprise de ce type-là ouvre, bien, les gens ne Ah! vont pas. Fait qu'à un moment donné, l'entrepreneur, il veut faire de l'argent aussi, puis c'est normal, là. Bien, l'entrepreneur, il fait ça pour offrir un service, mais pour offrir ce service, il faut qu'il soit capable de vivre. C'est C'est ça. ça. Un sujet un peu détourné, on parle souvent ben, on n'en parle pas si souvent que ça, mais des personnes handicapées et l'accès aux bâtiments. Et là, il y a une nouvelle qui est intéressante parce que, on le sait toutes, là, que c'est quand tu as un handicap, c'est compliqué de se déplacer, d'aller dans les bâtiments, etc. Mais des fois, on oublie parce qu'on ne vit pas cette réalité-là. Et là, on a le cas de José Néron qui a eu un accident, donc 2 mois en convalescence, double fracture à une jambe. Et là, elle réalise, elle, que, mon Dieu, c'est vrai, même aller à l'Hôtel de Ville de Saguenay, c'est difficile. Et là, ça lui fait prendre conscience. Et il y aura probablement des mesures adaptées. Puis des fois, bien, ça prend juste ce. Tu sais, l'empathie, se mettre dans la peau des autres, là, ça peut nous aider à régler beaucoup de problèmes, je On pense. les voit pas, ces défis-là. On les voit pas parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. La simple petite marche de 1 ou 2 pouces. En chaise roulante, tu peux pas atteindre la maison. Mais même avec une poussette, il faut que tu aies rendu avec des poussettes 4x4 pour être capable des fois d'aller dans des endroits. Non, moi, comme tu le sais, j'ai travaillé sur la révision du plan d'action municipalité Amis des aînés. Oui, le MADA. L'AMADA. Et moi, comme je disais souvent aux participants, ce qui est bon pour les marchettes, c'est bon pour les poussettes. Oui, c'est vrai. Ce qui est bon pour les marchettes, c'est bon pour les poussettes. C'est toujours des actions qui peuvent être intergénérationnelles, mais qui vont aider tout le monde. Puis qui ne nuisent pas aux autres aussi, là. Qui ne nuisent pas, même qui, au contraire, c'est avantageux. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret de Mme Néron quand j'ai entendu son entrevue et j'ai dit, elle me dit, elle, elle disait, moi, pour me rendre à la salle du conseil qui est au deuxième étage, il aurait fallu que je marche sur mes mains pour monter les escaliers parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait rien pour s'y atteindre. Imaginez-vous les hommes de l'entretien, les jeunes de l'entretien qui doivent monter leur équipement à chaque fois pour nettoyer l'espace et doivent redescendre. Ça, c'est avantageux pour tout le monde. C'est sûr que c'est des rénovations de 4 millions à l'Hôtel de Ville de Saguenay. Mais c'est quand même Mais je pense que des choses tout intéressantes. le monde a le droit d'aller aux séances du conseil, tout le monde a le droit d'avoir accès aux services municipaux. Et pas par caméra. Ça, là, ça c'est. C'est pas seulement par caméra, c'est pas. Il faut être capable d'interagir. On parle de Saguenay, mais il y a des défis quand même dans notre MRC. Puis c'est des défis que je suis bien heureuse de savoir que les politiciens sont au courant et veulent agir. Il y a beaucoup de bâtiments, comme l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini. Je n'ai pas encore vu l'ascenseur, mais je sais que chacun des paliers est accessible de l'extérieur de manière très accessible. Je vais rester dans le même terme. Mais on peut aller, par exemple, il y a des salles de l'âge d'or qui n'ont pas le bouton pressoir pour ouvrir la porte. Ouais, c'est ouvrir la porte. J'ai vu aussi des municipalités, super de bonnes intentions, un demi-escalier, ils ont mis le système d'ascenseur qui s'ouvre pour les chaises roulantes puis qui descendent. Mais la porte ne s'ouvre pas automatique. Comment tu peux atteindre si tu ne peux pas ouvrir la porte? C'est des choses qu'on ne pense pas. La petite marche, ah, il y a une rampe d'un bord, mais pas de l'autre. Donc, la personne rentre, elle ne sort plus. On la garde prisonnière. Il y a plein de choses comme ça. Le déneigement. Le déneigement. Le déneigement, par exemple, je dois avouer que c'est complexe aussi là, pour les gens qui font le déneigement. Oui, puis c'est. Mais tout problème est complexe.
Non, il y en a qui sont facilement réglés. À ce moment-là, quand ils sont facilement réglés, on n'en parle pas dans notre émission. Oui, c'est vrai. Mais c'est toutes des choses à prendre en compte. Et une chose aussi, on parle des bâtiments, les rendre plus accessibles. Puis quand je dis plus accessible, là, j'ai parlé avec des personnes qui sont en chaise roulante, puis qui en parlent de manière permanente. Là. J'ai travaillé avec Maxime Girard de la Fondation 33, qui lui est quadraplégique. C'est une question de dignité que la personne puisse passer par l'entrée d'en avant. Ah oui. Pas passer par la cuisine, puis faire les détours, puis devoir demander de l'aide pour être capable d'atteindre les toilettes, parce qu'il y a des escaliers dans les toilettes du bâtiment. C'est toutes des choses qui sont nécessaires à prendre en compte. Une question pas seulement « Ah, mais je suis accessible », mais est-ce que c'est une entrée digne? Ouais. Est-ce que c'est un respect de l'individu? La personne, elle ne dit pas… Quand on dit qu'un événement est accessible, oui, mais quand c'est rendu qu'il faut que tu dises « ben moi, je suis en chaise roulante », donc là, l'organisation doit te fournir un bénévole pour te dire par où passer, la personne n'est plus autonome. C'est le but de l'accessibilité, c'est que de rendre la personne autonome dans ses déplacements et dans sa qualité de vie, dans tous les milieux qu'elle va en faire. J'ai vu des rampes, le trottoir en face de la petite maison était de la même largeur, mais la porte, il ouvrait d'en face. Oui. Tu fais quoi? Tu peux pas rien faire. Ouais. La porte arrêtait là. Si elle ouvrait plus, arrêtait. Non, elle arrêtait là. Tu peux pas plus rentrer. Ouais. Des fois, c'est de penser à tout ça. Puis quand on vit pas avec ça quotidiennement, là, c'est compliqué. Mais on espère que nos politiciens vont y penser. Puis qu'il y aura des mesures. Hein. Je pense que c'est pas des. Je pense qu'en général, il y a beaucoup de petites améliorations qui pourraient être faites à très faible coût. Oui. Puis les gens qui ne sont pas dans cette situation-là ne connaissent pas l'organisme qui roule. K-E-R-O-U-L. KIROUL, c'est un organisme qui vise à l'accessibilité des bâtiments touristiques, oui, mais qui permet l'évaluation de tout autre bâtiment au niveau de l'accessibilité. J'ai travaillé avec les différents documents et ce qu'on ne sait pas, c'est que les étudiants en tourisme de Cégep de Saint-Félicien sont sensibilisés et connaissent les demandes. Par exemple, ils recommandent la largeur des portes sans battant pour que la plus grosse chaise électrique puisse passer. Donc, on a vraiment les chiffres. À quel intervalle, par exemple, 3 mètres à 10 % de degré, tu dois avoir un palier pour que la personne qui monte en chaise roulante manuelle puisse avoir un repos au lieu d'avoir la grande rampe. Donc, c'est plein de choses qu'ils prennent en compte. C'est plein de choses qui ont été évaluées par des gens. Donc, j'aime ça. Si vous voulez, à moindre coût, allez sur le site Internet de KIROUL et on a plein de recommandations. Vous voulez changer votre porte de votre commerce, allez voir KIROUL, ils vont vous dire, si vous voulez être le plus accessible possible, voici. Donc, moi, je recommande aux entrepreneurs qui ont des bâtiments, même aux politiciens, puis jusqu'à présent, ça passe très bien. Dès que vous avez une rénovation, prenez en considération… Prenez juste le temps de vous informer correctement, puis on pourra prendre les bonnes mesures. Parce que ça coûterait cher, tout changer d'un coup. Mais que ça soit de plus en plus accessible, à chaque fois qu'on pense à une rénovation, tant qu'à changer la porte, on peut-tu la mettre plus grande sans le battant en plein milieu? Parce que t'as bien beau la mettre plus grande, qu'elle s'ouvre des deux côtés. Si t'as le poteau de métal en plein milieu, ça sert à rien. Ça coûte plus cher, mais ça rend plus accessible, puis on se prive pas d'une clientèle qui est très valorisante aussi. KIROUL fait un guide à chaque année pour les endroits touristiques accessibles. Et quand on parle d'endroits, il inclut les hôtels, il inclut les magasins, ils incluent les restaurants, ils incluent les lieux touristiques. Et ils évaluent tous ces endroits-là. Donc, c'est avantageux pour notre région de le prendre en compte. Donc, oui, on parle aux touristes, mais les gens qui sont ici, on en voit, je ne sais pas, mais je ne vois personne en chaise roulante. Est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer? C'est bon. La question est posée. Je t'arrête là-dessus parce qu'on va partir prendre une petite pause. On vous revient tout de suite après avec la suite de l'actualité. Hey, Hydro, là. À part m'envoyer des factures, veux-tu me dire ce qu'ils font? Ben oui, avec plaisir. On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. OK. Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. Ah. Hydro-Québec, une énergie propre à nous. Si vous êtes témoin d'un acte répréhensible qui a été commis dans une municipalité ou dans un organisme municipal, vous avez le pouvoir d'agir. Transmettez votre divulgation dès maintenant. Vous êtes protégé en cas de représailles.
Ce service est accessible, simple, sécuritaire et surtout confidentiel. Divulguer les actes répréhensibles dans le milieu municipal, c'est dans notre intérêt à tous. Les opioïdes du marché noir, ou ceux consommés sans ordonnance, tuent des gens comme lui. Et il tue aussi des gens comme lui. Cherche du monde comme toi. Trouve ta place à emploidavenir.gouv.qc.ca. Je pense que c'est un peu prétentieux, là, puis je l'assume vraiment, mais j'aimerais vraiment ça que Délices du Lac-Saint-Jean devienne un peu la pierre angulaire du bleuet transformé. Je parle pas de première transformation, mais de deuxième et troisième. L'accueil de l'industrie touristique, la transformation à son plus bas niveau, pour moi, ça serait vraiment ça. Les gens reconnaissent l'entreprise comme étant un pôle de transformation de la matière qui est abondante en région. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on ne fait pas ça pour les mauvaises raisons. On le fait réellement pour les bonnes raisons. Et on veut faire goûter la région à l'ensemble de la population. Donc, dans 5-10 ans, ce serait vraiment devenir un pôle de transformation. On est de retour de la pause. Merci d'avoir patienté. On se lance avec un gros sujet. Peut-être que ce sera le seul, la deuxième partie, on ne sait jamais. On parlait du projet de loi sur la laïcité. Écoute, ça fait au-dessus de 10 ans là, depuis Jean Charest, Pauline Marois, Philippe Couillard qui ont réfléchi à ça. Des gros scandales. On n'a qu'à penser à... tout ça part en fait de l'histoire des accommodements raisonnables. Oui. On a eu Bouchard-Taylor. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Projet de loi sur la laïcité déposé, projet de loi numéro 21, je me souviens bien, déposé par le gouvernement de la CAQ. C'est particulier hein, parce qu'il y a eu un sondage en même temps qui donne presque 75% des gens qui étaient en faveur du projet de loi, donc ils le trouvaient positif. Puis en même temps, dans les médias, depuis le dépôt du projet de loi, on entend beaucoup de gens s'opposer à ce projet de loi-là. Fait qu'on a encore la population, l'opinion publique face à, je ne dirais pas des spécialistes, mais des gens en fait qui ont des... L'intellectualisation de la nouvelle? Ouais, peut-être, ça serait bien dit. Fait que je veux parler de plusieurs points, mais je vais commencer par te demander, qu'as-tu pensé du projet de loi 21 sur la laïcité? Comment tu le trouves? Comment tu l'analyses? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est moins bon? Puis après ça, je vais aller faire deux autres choses. Au niveau de la laïcité, il faut voir qu'il y a deux types de laïcité qu'on voit au niveau politique, au niveau mondial. On a la laïcité américaine, où les gens peuvent exprimer leur religion, mais l'État est toujours neutre.
Donc, In God We Trust. Donc, ça peut être n'importe quel Dieu. Ça peut être n'importe quel Dieu. Et les gens ont le droit de parler de leur religion, mais ça ne doit pas impacter sur l'application de la loi ou l'application de la réglementation. Donc, c'est même si une personne a un hijab ou quoi que ce soit, c'est pas à cause de sa religion qu'elle applique la réglementation. Le hijab n'a rien à voir avec la religion. On est amplement d'accord. On est dans le culturel. Il faut faire attention. Ouais. La kippa, par exemple. Ouais. Donc, la kippa qui est le petit couteau des, qui est porté par les hindous dans, de certaines communautés. Il y a aussi la laïcité vue à la manière française. La laïcité vue à la manière française qui est toute personne dans le lieu public n'a pas le droit de l'exprimer. Tu le fais dans ta vie privée. Mais tu ne dois pas l'imposer visuellement aux autres. Ça, c'est tout le monde. Donc, une laïcité plus pragmatique et au mur. Tous les paliers de la société doivent vivre avec cette décision-là. Le Québec essaie de trouver un entre-deux. Présentement, depuis la commission de parents, ça l'a toujours été, il faut que ça soit laïque pour que ce soit accessible à tout le monde et qu'il y ait une perception d'accessibilité à tout le monde, autant au niveau de l'éducation que plusieurs paliers de nos vies, plusieurs secteurs de nos vies. Cependant, moi, je trouve que tout ce qui est pouvoir coercitif, on dit qu'il y a un pouvoir de violence. C'est les seuls qui ont le droit d'utiliser la violence. Les policiers, les agents correctionnels, les juges. La légitimité du pouvoir coercitif appartient vraiment au gouvernement. Là, je suis d'accord que ça ne soit pas rattaché à une image religieuse. Mais lorsqu'on arrive au niveau de l'enseignement, on a tellement des programmes qui sont bien structurés, qui sont bien marqués, qui sont respectés par les profs, qu'empêcher les signes religieux, c'est un peu bloqué à l'ouverture. Parce que le fait qu'un prof porte, par exemple, une kippa, parce que pour en avoir vu, c'est tu ne peux pas enlever ça de même, là. Est-ce que ça nuit à son enseignement? Non. Mais ça peut porter une... Qu'est-ce que c'est? Oui, ça porte une discussion. Le plus important, c'est que la discussion soit saine et que ce soit partagé avec les parents, autant qu'avec les enfants, puis que ce soit une source de discussion et non que ça soit vu comme une source de... comment je pourrais dire? D'endoctrinement, loin de là. Et la personne est fière de sa culture, parce que la religion fait partie de la culture, mais ne l'impose pas. Elle suit le programme, puis elle valorise. Moi, je pense, par exemple, aux jeunes femmes, aux jeunes filles de 8 ans qui portent le hijab et qui ne vont pas avoir le droit, et ils ne pourront pas voir leur professeur avec le hijab. Ils ne vont pas se reconnaître. Ils n'auront pas d'échange. Donc, moi, je me dis, le fait de l'imposer aux profs, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On manque de profs. C'est pas parce qu'ils sont rattachés à une religion ou à un autre ou à un signe que ça diminue leurs compétences. En plus de ça, moi, c'est ça le problème. C'est au niveau du système d'éducation, empêché au niveau du système d'éducation. 75% du financement des écoles publiques, des écoles privées viennent du public, mais eux autres, ils ont le droit de garder les symboles. Ça, je suis d'accord. C'est tellement... De toute façon, déjà qu'on finance les écoles privées, arrêtons de les appeler écoles privées, là, ils devraient se financer eux-mêmes. Non, c'est des écoles élitistes. Ah non, oui, clairement. C'est des écoles élitistes, c'est pas des écoles privées, c'est des écoles élitistes. Mmh. Désolée si ça froisse quelqu'un, là. J'assume. Mais, c'est ça. C'est pas « t'as des meilleurs résultats », c'est « si t'as des moins bons résultats, ben tu t'en vas et tu retournes dans le système public ». Non, je suis pas d'accord avec ça. Ben, c'est là qu'il y a un problème. Moi, c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Tout ce qui a un trait à un financement gouvernemental doit vivre toutes les mêmes conditions. Parfaitement d'accord. Donc, surtout dans le système d'éducation où que... C'est planter des graines de connaissances. Puis je le dis, là, c'est, quand tu sors du système universitaire, là, t'es pas plus intelligent qu'un autre. T'as ramassé plusieurs informations. T'as des connaissances. Mais t'es pas plus intelligent. Faut faire... Excuse-moi, mais je fais une parenthèse. Le concept d'intelligence est très relatif. Il est très relatif, mais moi, je vais te parler de mon concept à moi. La connaissance, c'est remplir plein d'informations qui sont disparates. L'intelligence, c'est être capable de jouer avec. C'est de concevoir des solutions, c'est de connaître.
pas besoin d'avoir tant de connaissances pour être une personne très intelligente qui va prendre toutes les connaissances qu'elle a, mais qui va sortir des choses très intéressantes. Ça dépend toujours du contexte dans la personne va être confondue. C'est en plein ça. Mais oui, c'est pour ça que, d'accord pour les pouvoirs coercitifs, mais est-ce qu'un prof a vraiment un pouvoir coercitif? Est-ce qu'un prof a un pouvoir d'application par la violence, que ce soit une violence systémique, physique ou psychologique, il a le droit? Non. Ouais, moi, je vais te dire, là, j'ai confiance aux gens. Je suis peut-être bizarre, là, mais moi, je trouve que c'est un peu un faux débat. Moi, ça me dérange pas que les gens expriment leur religion. Ça me dérange pas parce que ça ne m'atteint pas. Je suis au-dessus de ça. Là. Moi, j'ai ma religion qui est... Je suis agnostique. Là. Je veux dire, c'est ça. C'est ta croyance, puis c'est parfait. Ouais, c'est une croyance, une non-croyance, en fait. Ouais, ouais. Je veux dire, mais les gens vivent leur vie, vivre et laisser vivre. Moi, je comprends pas qu'est-ce qui dérange les gens de voir quelqu'un avec un symbole autre. Peut-être bizarre, là, mais moi, pour vrai, ça m'affecte zéro. Si tu as un problème avec ça, ben c'est ton problème. Là, oui. ça devient le problème de la société qu'il faut gérer ça. Je trouve ça un peu absurde. Moi, je te le dis, là, même chez les gens en position de pouvoir, moi, ça me dérange pas. Mais en même temps, je suis pro-laïcité. Là. Je suis pour qu'on sépare l'Église et l'État. Mais moi, je vois pas une problématique avec les signes religieux, peu importe la religion. Moi, je trouve que l'institutionnalisation de toutes les religions, c'est de la merde. Ça finit là. T'as pas mal résumé ce que je pense. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont besoin de cette structure-là réglementaire pour leur protéger dans les valeurs, un sentiment de protection dans leurs valeurs, mais aussi pour chercher une neutralité. Il y en a beaucoup qui s'appuient au symbole. Oui, il faut s'élever au-dessus de ça, mais ça peut aider les gens à s'élever au-dessus de ça aussi. Peut-être, parce que la foi, ça, moi, je pense que ça appartient à chacun. Mais la spiritualité. Oui, la spiritualité, la foi, mais les institutions religieuses, là, c'est là où moi je décroche. Là. Beaucoup. En plus, je trouve ça beau la foi chez quelqu'un, là, absolument. Même si moi, je ne l'ai pas, mais mon Dieu, que les institutions nous ont pourri ça. Là. Et peu importe les religions, là, pour vrai. Là. Mais une chose que lorsqu'on a eu le débat de la charte, alors que le PQ était au pouvoir, la charte des valeurs québécoises, ça, je... Non. Et lors de la commission Bouchard-Taylor, il parlait de signes ostentatoires. Mmh. Ostentatoire, ça veut dire exagéré. Ça, j'ai pas... Qu'on enlève les signes exagérés, bien parfait, puis ça nous amène au sujet suivant, le crucifix à l'Assemblée nationale. Oui, là, tu veux dire... Là, moi, j'ai un problème. En plus que dernièrement, à l'Université de Chicoutimi, un étudiant, un doctorant en histoire, a démontré que Duplessis, là, contrairement à ce qu'on pensait, n'était pas pro-Église. Non, au contraire. Sa perception qu'on avait au niveau de dire que c'était un fils relié avec l'Église, ce n'était que pour avoir plus de votes. Parce qu'ils ont démontré dans les échanges privés qu'au contraire, ça a été le premier ministre à ne pas demander l'avis à la... C'était le boss. À ne pas demander l'avis du tout au clergé. Donc, ça faisait problématique au niveau du clergé. Puis c'était plus pour faire des votes qui a installé le crucifix que pour dire qu'il était rattaché à la religion. Parce qu'à l'époque aussi, il faut se le dire, quand on dit voter, ça donne un pouvoir. Mais ça donnait un pouvoir de dire « je suis rattaché à la religion catholique ». Mais dans la réalité, dans l'arrière-scène, au contraire, l'Église allait mal paraître. Puis M. Duplessis a quand même, par ses gestes cachés, poussé vers la révolution tranquille, parce que ça ne s'est pas fait dans le public. Le changement. Mais c'est vraiment, c'est gros, là, c'est tout nouveau, ça change toutes les perceptions. Là. C'est normal, là. Je vous invite à vous renseigner au niveau de la conférence qui avait lieu à l'UQAC. Mais c'est quand même gros. Là. Tout le monde pense que Duplessis était rattaché à la religion catholique. Mais il était rattaché à la religion catholique pour garder son pouvoir en place, son pouvoir en place. Mais pas dans le choix de sa politique. Bien, possiblement. Sauf politique. Que dans ses politiques extérieures, dans l'application, il était très, très, très soudé avec la religion catholique. Même si, à l'interne, ce n'était pas vrai, en apparence, c'est ce qu'il démontrait. Puis oui, c'était peut-être pour aller chercher des votes, mais l'image reste forte. Là. Oui, mais c'est ça que l'image est forte, mais les actions... La préparation à une révolution tranquille, c'est faite à partir de là. Donc,
Oui, le crucifix a été un événement marquant de l'Assemblée nationale. Même pas. Je dis ça, mais on regarde l'actualité de l'époque, là. C'est passé complètement sous le silence l'installation d'un crucifix à l'Assemblée nationale. Puis aujourd'hui, de l'enlever? Oui, s'il vous plaît, enlevez-le. Enlevez-le. C'est pour avoir pas juste une apparence, mais pour démontrer qu'on est plus dans un système colonialiste, puis qu'on est vraiment entre humains, qu'il n'y a pas de religion qui vient appuyer dessus, que si on est entre humains, puis entre humains, est-ce qu'on a besoin absolument d'un symbole dans un endroit où on discute de notre législation? Non. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens là, qui vont répondre? Les gens, je ne fais pas partie, là, je rapporte oui, qu'ils vont dire soit l'avocat ça fait partie de notre histoire. On va-tu débaptiser le mont, le je sais pas moi, le nom de la rue? Le Saint-Laurent, ouais, Sainte-Catherine. Qu'est-ce que tu veux leur répondre à ça? Pas besoin que ça reste dans la salle de l'Assemblée nationale? Ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est qu'il soit déplacé dans le Parlement afin qu'il soit encore visible puis afin qu'il soit encore mis de l'avant. Pas besoin de le faire dans la salle où il y a des décisions qui doivent être prises. C'est tout. Oui, c'est un objet patrimonial, c'est un objet historique. Muséal. Mais quand, muséal, oui. Puis qui a son importance dans le Parlement en tant que rappelant l'histoire. Et pour rappeler l'histoire, ça n'a pas besoin d'être absolument dans l'Assemblée, dans le bâtiment, dans la salle du Parlement. Loin de là, ça peut être dans l'entrée, ça peut être mis à plusieurs endroits en indiquant ça a été installé, ça a été enlevé dans l'Assemblée générale à ce moment, tu sais, à l'Assemblée. Pense vraiment que... faire un beau symbole en disant ça a été installé, par exemple, à l'époque de Duplessis avec l'histoire, puis à la fin, ça a été enlevé suite à... Je pense qu'au contraire, ça peut démontrer les changements de mentalité qu'on l'évolution a vécu au Québec, l'évolution. Okay. Puis je trouve qu'il faut qu'on le prenne pas comme un « Ah, faut s'en débarrasser, faut pas le voir ». Il faut plutôt le prendre comme dire « on a été fiers, on l'a utilisé, on a été fiers, on a été fiers, oui, à l'époque, là. » Mais aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Je vais t'amener ailleurs là-dedans. Est-ce que, tu sais, on a parlé souvent de ça, puis il y avait tout le temps des oppositions. Là, c'est comme à l'unanimité, tu sais, tout le monde est d'accord avec ça. Penses-tu que c'est à cause du fait qu'en ce moment, l'Église catholique fait enfin face à tous ses péchés un peu partout à travers le monde? Non, mais c'est une question, là. Parce que, Simplifie de beaucoup ce débat-là aujourd'hui. Parce que là, il y a beaucoup de monde qui s'en sont détachés. Là. Énormément. Puis on parle dans les dernières années. Donc, il y a le bon timing. Oui. Parce que là, on parle des abus, on parle des pensionnats, on parle. Tu sais, il y a beaucoup de choses dont ils sont responsables. Oui. Tu sais, je veux dire. En tout cas, je donnerai pas mon exemple, parce que peut-être que je vais aller trop loin. Je vais me censurer. Moi aussi, j'ai le goût de me censurer parce que je lis des affaires, puis non, je pense que je me censurerai pas. Vas-y, moi. Vas-y, on est là pour. J'ai lu une blague, elle dit si on n'écoute plus les émissions, les musiques de Michael Jackson parce qu'il a été pédophile, pourquoi on n'applique pas la même règle à l'Église? Boum! Mais il faut se dire qu'il ne faut pas rattacher la structure aux individus. C'est ça. Okay? Il y a une différence entre la foi et les institutions religieuses. Mais ça, je vais tout de suite tamiser ma phrase parce qu'il y a une différence entre la spiritualité. La spiritualité qui est vraiment personnelle, qui est vraiment qu'est-ce qu'on ressent, en quoi on fait confiance, en quoi on croit. Il y a la religion. L'institution. Non! Non, encore une fois, non. La religion, c'est comme si on s'était donné un dictionnaire pour parler de notre spiritualité. On s'est trouvé des mots. Donc, on parle de notre spiritualité avec les mots qu'on connaît. Donc, la religion catholique, c'est la Bible. La religion musulmane, c'est le Coran. Et on trouve des mots pour en parler. Moi, j'ai un problème avec l'Église avec un grand « et ». L'institution qui nous dit comment interpréter, puis qui nous dit de quel geste poser. Au lieu de faire. C'est là le problème parce que j'ai. Les religions, quand tu lis les textes, c'est tout le temps bien smart. Là. Hey, aimez-vous, soyez cool, aidez votre prochain. Dans tous les livres, il y a autant du beau que du mauvais. Pour avoir lu le Coran et la Bible, on peut trouver du pire comme du meilleur dans les deux documents. Ça, on ne fera pas un. Non, mais on rentrera pas dans ce dossier-là. Je veux dire, c'est ce que je veux dire par là, c'est. De toute façon, les trois textes sont rattachés à l'Ancien Testament. C'est des religions monothéistes qui se sont, opposées quand, au bout du compte, ils ont le même message. On ne partira pas sur un grand débat théologique. Mais moi, pour fermer ça, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des individus qui ont porté des actes abominables au nom
d'une institution. Oui. D'une institution, pas de la religion. D'une institution. Et c'est là le problème. Parce que puis c'est là le problème de tous les problèmes, les guerres religieuses qu'on a, c'est des actes qui sont faits par des individus au nom d'une institution sous un prétexte de religion. C'est pas la religion le problème. Non, parce que le prétexte, c'est souvent, pas la religion le problème. Les guerres de religion, foncièrement, ça n'existe pas. C'est toujours pour des actions. On fait passer ça au dos de la religion parce que, écoute, c'est facile de ramasser des meutes de gens fanatiques, puis ça coûte pas cher. Mais le but, c'est toujours géopolitique. C'est pour des ressources, pour c'est du territoire. En plein ça. C'est bon. Dernier point en lien avec le projet de laïcité, je veux te parler de l'article 33. Qu'est-ce que tu penses du fait que le gouvernement Legault, déjà en déposant le projet de loi, dit « Nous ferons appel à la clause dérogatoire pour appliquer notre projet de loi. » Ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'on va pas respecter les droits de certaines minorités pour favoriser la majorité qui est d'accord avec l'idée de la laïcité au Québec. Hein? Là, je t'amène dans du droit constitutionnel. Oui, mais c'est une question qui est importante à se poser parce que est-ce que c'est vraiment nuire à leurs droits? On a deux droits au niveau de la Charte des droits et libertés de l'humain, la Charte des droits de l'homme, plus exactement. Le droit à la religion qu'on veut et le droit à l'expression comme on veut. Les deux, ça bloque. On a notre religion, comme j'ai dit, la religion puis la spiritualité, c'est quelque chose. Puis la religion, c'est simplement se donner les mots pour la partager avec d'autres personnes. C'est ça, la religion. Est-ce que tu as besoin de ce signe-là pour exprimer cette religion? Mais ce qui va arriver, c'est parce que ça va être contesté en Cour suprême. Et là, on va toujours faire passer la Charte des droits et libertés en premier lieu. Et déjà, on sent que la contestation s'en vient. Et là, on se dit, il n'y aura pas de contestation. Nous, on fait appel à la clause dérogatoire, l'article 33, pour se dire, parce que c'est légal, là. C'est oui. pas, hein, on l'a utilisé souvent, mais on va faire appel à ça pour dire, non, au-delà de ça, je veux dire, c'est pas un acte illégal, c'est légitime de sa part, il y a l'appui de la population en général d'utiliser ça. Mais là, il y a des gens qui vont dire, ben là, on va brimer droits et libertés, un peu comme ça s'est passé avec la loi 101 à l'époque, là. Bien, si on prend l'exemple de la loi 101, cet article-là a eu des répercussions négatives pendant un certain temps, mais lorsque ça a été appliqué, ça s'est fait naturellement après. Bon, oui, ça a été charcuté avec plein d'amendements. Mais... qui sont tous venus de la Cour, en fait, aussi. Hein. Tous les amendements sont venus avec des procès, la Cour qui a statué que, fait qu'il a fallu charcuter la loi 101. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est une économie d'énergie aussi? Parce qu'on demande souvent, comme tout à l'heure, on parlait de la forêt, on demande à notre gouvernement de prendre des décisions. Mais si on les bloque tout le temps, vaut mieux qu'ils prennent une décision, qu'on revise après, que de rester dans le stagnant aussi, qu'ils restent dans un débat. Mais des fois, c'est parce qu'une fois que c'est charcuté un peu partout, ça n'a plus l'impact que ça va avoir. Hey, j'arrête là-dessus, j'ai voulu parler d'une dernière affaire. Oui! L'industrie du taxi, projet de l'industrie du taxi. Les chauffeurs de taxi sont en colère et le mot est faible. Moi, à quelque part, là, je suis un peu ambivalent dans la question parce que je comprends au prix qu'ils ont payé leur permis de taxi qu'ils soient fâchés. Maintenant, bon, l'industrie, je pense qu'elle doit aussi se moderniser. Ce matin, il y a eu un acte malheureux, puis qu'il était souhaité d'avoir une journée... Oui, vendredi matin. Oui, c'est ça. Il était souhaité d'avoir une journée de gratuité, en fait, des taxis. Oui, gratuité des transports. Pour mettre pression. Mais il y a un événement malheureux. Il y a quelqu'un qui a attenté à sa vie là, pour devant les caméras de TVA Nouvelles. Devant les caméras de TVA Nouvelles. Là, on n'en sait pas plus, là, parce que... pour le moment, mais ça amène le... Vous parlez du désarroi de ces gens-là qui ont tout investi, souvent qui ont hypothéqué leur maison pour s'acheter un permis de taxi, qui se retrouvent devant rien, puis que là, ils ont peur de tout perdre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que là, c'est une patate chaude dans les mains de notre gouvernement. Non? Bien, il faut savoir... Deux minutes. C'est un problème qui a été créé par les gouvernements précédents et qui aujourd'hui vient à être, qui a été alimenté en disant « on ne touchera pas cette chasse gardée » et la CAQ a eu l'audace de le faire. Ils l'ont fait, selon moi, très maladroitement. Ils n'ont pas pris leur temps, mais ils l'ont fait. C'est puisqu'ils commençaient à faire des quotas du permis de taxi, bien, les gens revendaient leur permis, puis ça faisait, pour plusieurs chauffeurs de taxi, c'est leur investissement de retraite parce qu'ils vont leur vendre. Oui. Il y en a qui, leur maison tient à ça, et là, ça va passer du jour au lendemain. Il y en a 120 000 un permis de taxi, là, puis du jour au lendemain, ça tombe à zéro, là. Tout ce que tu as investi là-dedans, il tombe à zéro. Je comprends, au niveau de l'économie,
c'est la pire des choses d'avoir un monopole ou d'avoir... ça l'a augmenté en épingle. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là, ça l'a augmenté. Non, ça fait longtemps qu'on niaise avec ça, en fait. Mais qu'on n'a pas touché à ce système-là avant que ça soit aussi pire. Ouais. Ça a été... Là, je comprends les troubles de santé mentale qui peuvent être déclarés, les dépressions qui vont avoir lieu avec ça. Là, comme on a pu le voir... Le stress en quand, ce moment oui, pour ces gens-là, non? Tu sais, c'est pas juste un impact sur eux, ça a un impact sur leur famille, ça a un impact sur leur entourage, ça a un impact aussi sur leurs valeurs. Ben, pas leurs valeurs, mais je veux dire, sur leur perception de la réussite, sur comme quelles sont leurs valeurs, leur confiance en leurs compétences, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après ça. Tu sais, il y a tout un chamboulement de leur vie. Carrément, de leur vie qui arrive présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On met pas en question l'idée qu'il faut mettre l'industrie du taxi à jour, qu'il faut la moderniser. Ça, on est d'accord avec ça, mais le comment on le fait, c'est assez drastique pour des gens qui ont tout investi dans quelque chose. Les compensations sont ridicules quand tu penses qu'il y a des gens que ça fait 20, 30 ans qui ont ce permis-là et qui investissent dedans. Là, c'est des compensations qui sont ridicules. Je ne sais pas, je vais le dire bien honnêtement, je ne sais pas quelle serait la solution idéale et je n'ai pas la prétention de le dire. Mais il faut reconnaître la détresse de nos chauffeurs de taxi qui sont encore très utilisés. Là. C'est une des choses qu'on recommande aux personnes qui perdent leur taxi ou encore les gens qui se privent de leur voiture, là, qui par souci d'économie. Quand on fait le calcul, souvent, prendre le taxi est moins cher que de payer l'auto, payer l'essence, ouais. Payer les assurances quand tu n'as pas tant besoin, quand tu habites à proximité et tu ne veux pas prendre le transport en commun. C'est des travailleurs autonomes pour la majorité. C'est des gens qui ont décidé de partir en entreprise de cette façon-là. Je suis chamboulée de voir à quel point ça a un impact parce que je n'étais pas sensibilisée à ce point-là avant. Mais en même temps, je me demande... pour le développement de nos communautés. Si on parle au niveau individuel, c'est des drames individuels qui se passent. Mmh. Mais au niveau de nos communautés, c'était nécessaire de faire une action que je trouve encore beaucoup trop drastique, mais c'était nécessaire de le faire pour faire un changement. L'économie, ça évolue, puis il faut que ça change. Le gouvernement est là pour accompagner ce changement-là. Pour le guider pour aussi. Pour le guider, mais là, j'ai plus l'impression que du jour au lendemain, on a mis un mur de briques. Ouais. Puis le système des permis, c'était on rajoutait une brique. Puis là, tout d'un coup, on dit on le détruit sur le dos des gens qui ont investi sur ce projet-là. Joannie, c'est toujours un plaisir oui! de t'en parler. C'est tellement facile de faire une émission avec toi parce que tu as une grande gueule. Ah! Et voilà. On t'aime pour ça. Ben, c'est, merci d'avoir partagé je ta sagesse et c'est ton un analyse plaisir. Avec nous. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Avec Jules! Bonne semaine! Bonne semaine! Bye!